Vous dites ceci, donc après l'incident avec Al-Razali, c'est vous qui écrivez. Au-delà de la peur, il y avait la honte d'avoir été chassé de son pays par un homme qu'il méprisait à plusieurs titres et qui, comble de l'ironie, n'était même pas algérien. Un peu plus bas, vous dites, l'humiliation était profonde, insupportable, car elle touchait à la nature même de ses origines. Il était un Algérien que son pays chassait et assistait impuissant à la montée des forces obscures qui utilisaient l'islam à des fins hégémoniques. Cette humiliation l'affectait dans sa personne et dans ses idées. Elle était la négation même de la lutte de sa vie. Elle faisait de lui un apatride, un orphelin, un homme définitivement seul. Ça a été très marquant pour lui, effectivement. Il vous en a parlé directement? Non, jamais. Et les choses l'affectaient profondément, ce n'étaient pas des choses qu'il livrait. Donc ça, tout ça, c'est des témoignages que j'ai reconstitué cette scène grâce à des gens qui ont témoigné et qui étaient présents. Dont Ali Merad, Dont qui Ali l'a Merad. évacué, d'après ce que vous expliquez, parce que votre père risquait réellement Oui, d'être physiquement attaqué par Il y avait une une partie de... huée, la majorité de la salle était contre lui, voilà, la pensée dominante était contre lui, bien sûr. Donc ça a été très violent et il a eu très peur et ça a été la vraie rupture avec son pays d'origine.